Première maison, pas d'armes. Deuxième maison, pas d'armes. Troisième maison, un ennemi. C'est pas gentil ça! Il m'a fait rire. Ah, c'est fantôme. Putain, le Sirix, les gars. Joueur de merde. Mais comment c'est possible que tu m'aim assist là-dedans, sérieux? Il y a 2 mètres de flotte. J'ai jamais vu un mec avec autant d'aim assist que toi, sale chien. Tu me dégoûtes, Sirix. Je te déteste. Allez, là, j'ai bien. Laisse-moi ma forteresse. Ok. Il a gagné la forto, forcément, tu vois, mais c'est hallucinant, gros. C'est hallucinant. Je vous invite à aller voir ses lives, hein. C'est... Déjà, il anime bien, c'est agréable à regarder, mais... Au-delà de ça, son aim assist, vraiment, il est traumatisant pour n'importe quel joueur clavier-souris. C'est... Ça me fait péter les plombs, je comprends pas comment c'est possible qu'il y en ait autant. Ah, Sirix, je peux vous le dire, là, il est plus agréable avec les mains occupées sur les, au bord de, au bord d'une rue aléatoire à Paris, en compagnie de du N et de et du C. C'est une partie privée. Comment il participerait? Il suffit de lancer le jeu. Et de rejoindre. Là, il va pas reprendre la voiture, le mec. Il va courir en diagonale, il va sortir là dans 3, 2... Je me suis chaud. Je suis dans le gaz. Chouachouan, il fait que jouer dans le gaz. Tout le monde peut rejoindre moi. Pugli, t'as perdu ton sublime, Pugli. Tu peux rejoindre ma mère. À quel prix?
En tout cas, merci de pas mort. Il était gentil de pas me tuer. Ça a été plutôt très fair play, ça. Putain, mais le gaz là, il va à fond. Il va avancer à wake, frérot. Quand on dit à wake, c'est à wake. Vous avez vu, il y avait un joueur sur le côté. Ça fait des duos dans la game. Non, je refuse d'y croire. Insupportable. Vous allez trouver les pseudos, les gars, et moi je trouverai leur adresse et je leur enverrai 15 mecs les violer chez eux. Qu'est-ce que je vous dis? Non. Mange ma tub. Quelle merde. Putain, lui, il est dans mon bac depuis le début. Il savait que j'étais là. Alors, petite bite, on a peur? Joueur de merde. Quelle horreur. Quelle horreur. Il tanque le gaz et tout. Quelle horreur, chat. Quelle horreur. Lui, c'est 800% qu'il est sur le live. Oh, une fois qu'on aura trouvé son pseudo, je veux que vous le bannissiez, les modos. Life. Allez, Nizox-X. Pauvre clochard. Regardez son pseudo, Kick. Tu veux quoi, Nizox? C'est parce que je suis sur Kick, tu mets pseudo Kick, tu lances, tu rejoins la partie, Tu veux gratter 5 viewers comme ça, mange-merde? T'as pas d'honneur ou quoi? Sale fils de pute. On a dit pas de streamax, c'est la seule règle de la partie. Donc arrête d'essayer de couper les rotations, tout ça, je le vois. Enfant de pute. Excusez-moi, chat. Je devais lui expliquer poliment... Oh non, le roi de l'aim assist, gros. Oh, j'ai peur. C'est qui ça? Il joue bien. Il joue bien aussi. Il peut que être dans l'espèce de tunnel là. Il a pas pu s'échapper.
Allez, tu m'as laissé en vie tout à l'heure. C'est important, chat. Si j'avais tiré, il serait mort. Alexa, éteins la télé. Attends. Comment est-ce qu'un mec peut réanimer un autre mec? Alexa, j'espère que t'as éteint la télé. Hein. Mais non. La te pu, la te pu, la te pu. La te pu, la te pu. Il a préféré se suicider gros plutôt que me jouer. Alexa, elle a... joué chaud. Elle va bien Alexa? Vas-y, continue ta game mon lapin. Merci mec. C'est un joueur bouclier. Salut. Non, c'est là, là, là. C'est là, là, là. Someone take me oh wow boop 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 woah woah woah. GG. Merci lapin. Pourquoi est-ce que lui il a pas le droit de rester en vie? Quand je laisserai un campeur de shop en vie, chat, c'est que je serai très très malade. C'est lui qui team up. Hein. En plus de camper le shop, il team up, c'est vrai gros mot. Les gars, je veux pas de team up, hein. M'obligez pas à faire bannir vos comptes ou à vous bannir sur mes lives, ça me fait chier. Genre vraiment, c'est des games normales. Putain, t'es bien là-haut, toi. T'es bien de ouf ou c'est moi?
Wesh. Le pneu. mètres, first ball. LD, ça t'apprendra à pas tirer sur les mecs qui sont à côté de toi et à vouloir tirer sur un grand. Tiens, Cyrix. Cyrix, si je mets le truc là, il y a moyen que je tue Cyrix là. Il sait pas qu'il a la frappe. Merde, j'en ai eu un autre que je voulais pas avoir. Tu vas devoir te déplacer, mon lapin. Wesh. Frappe de précision. Ça va, ma partie se passe bien les gars, quand même, j'ai 12 kills. J'en ai laissé quelques-uns en vie à certains moments. Gentlemen. Ça me bloque. Vous avez vu la frappe à dispersion qui allait me frapper? Regardez, pour pas être emmerdé. Hop, un pneu en moins, deux pneus en moins. Il veut me mettre une frappe. C'est ce mec là qui veut me mettre une frappe? Non, bien joué, bien joué, bien joué. Noob! Fuck you, man!
suis le boss. Dehors avec Sirix. Ah non, Okmas, c'est bon. J'ai appris mes leçons. C'est tellement incroyable de faire un spawn tout seul. Ah. Ah. T'as les mêmes idées de spawn que moi, Joe. J'ai trouvé 1000 balles de mieux en bas. En fait, je me fais vraiment une économie de gorée au début. Histoire après de plus avoir à looter. Je pense que vous comprenez. Ce qui fait que là, regardez. Autoréa, drone, boîte de mun. Personne dans le secteur. Je suis mort. Hop. J'ai vu un truc tomber là, non? Ta gueule. Pourquoi il se déplace pas le mec? Il a sauté ou il a pas sauté au final? Putain, fais chier. Je sais pas où il est. Dommage. Il a joué son avantage. Son avantage, c'était la paralysante. Il l'a très bien fait. Mais il a raté la deuxième. Il aurait mis la deuxième et gagné le fight. Dommage en vrai. Très bien joué. Je me serais laissé surprendre. Je voulais embarquer le colis pour troller.
Très bien joué, poulet. Dommage. Un peu plus de dynamisme quand tu rentres dans le bâtiment, ça t'aurait aidé à gagner. Mais c'était bien, c'était bien. Le colis, il était trop lourd pour le véhicule blindé, il a cassé le véhicule blindé. Ça, je m'y attendais pas, chat. J'ai été... Là, regardez. Cette clé qui vient d'apparaître, c'est en fait tout est déduction, chat. Cette clé vient d'apparaître, du coup ça veut dire qu'un mec est en train de... Le mec qui a fait une forto est en train de courir actuellement là-dessus, tu vois. Envahisseur des sites noirs, Cyrix. Putain, Cyrix, toujours là, hein. C'est un jeu réaliste, c'est pour ça. Tranquille les gars, je trouve pas de méchant. Ça campe les largages. Aïe aïe aïe, c'est pas beau ça. Ça essaie de survivre les gars, ça essaie de survivre. Y'a encore des fusils de précision qui one-shot, hein. Ouais, le Imperium et lui, tu vois, mais en ranked, ils sont pas autorisés. Putain, si je suis tous alors que je suis assis, les gars, mais quelle souffrance, bordel. Faut vraiment pas que je le fasse, ça. Le nerf comme Gotaga. On va remonter ça, les gars. Je me fais tirer dessus ou il y a des crépitements? C'est bon. C'est bon, tu vois. That's okay, bro. Merci Attic, toujours le même. Vous en faites pas, c'est douloureux sur le moment, mais après y a rien. Tintin. Vous me clippez ça? Bébou, tu sais ce que tu devrais faire sur Instagram si tu veux t'amuser à faire un joli réel? Tu le mets lui, tu vois, genre ce tir. Et juste avant que je tire, tu ralentis tout, tu fais un arrêt sur image. Tu montes mon visage, tu fais une caméra qui voit mon œil et tout, qui rentre dans mon œil, tout ça et tout. Tu vois l'univers, tu vois des gens qui se baissent, tu vois plein de trucs de ouf et tout. Et après tu mets le kill, paf. Moi, si j'étais CM, c'est ça que j'aurais fait. Une balle à 200 mètres, c'est une balle facile, les gars.
qui ose en fait. Ne. Pneu arrière. Pneu arrière. Pneu avant. En fait là vous voyez, on le voit à travers, tu vois, mais pour de vrai il est dans la pièce de derrière. C'est. La texture apparaît pas. Le petit. C'est mort. Oh non. Je sais pas où il est passé mon couteau. Il était bien mis pourtant. Patatrac, je te déconseille. Parce que quelqu'un qui vient dans une tour qui est hors zone pour me jouer moi. Je sais ce que c'est. Ok, je sais où t'es. Regardez bien le chat. C'est lui. C'est lui là. C'est le barbu là. Ils vont se tuer dans le gaz les deux streamac. Tous les coups. Et ouais, évidemment. Regardez, regardez. Prenez son ID les modos, 81, 85, je sais pas quoi. Lui, je veux que... Lui, Tata, je veux que tu le fasses ban. Et les... tous ceux qui tombent dessus, mettez-lui un report. Histoire que sa chaîne, elle saute à 100%. Il savait, non mais frérot, depuis tout à l'heure, il y a des balles de snipe qui tapent à côté de moi. Quand j'ai sauté, il a fait exprès de partir à l'opposé. Quand je suis parti pour lui couper la rotation, il a fait exprès de replonger à l'intérieur. Il connaissait tous mes moves. Trouvez son nom là sur le chat aussi, s'il vous plaît. Je veux tout, chat. T'as du délai, mon ref.
Ça se voit, chat. Hein. C'est pas beau. C'est pas beau. C'est le mec tout là-haut, en haut de la maison, qui s'acharne. Et moi, je dois me taper la putain de montée avec les gens qui bloquent en dessous. Ah, shit. Désolé, Malof. Bisous mon lapin Malof. Le sniper qui me bloquait, il est passé où? Sweet. Il est sérieux lui? Ok. Il sait que je l'ai regardé. Du coup, il se met à courir sur le bord. Ok, la chute. Donc là, ça va commencer à avancer. Tout le monde va avancer. Ça va essayer de se bloquer sur les zones. Putain, mais tu veux vivre, toi. Je le vois bien, mais c'est chiant. Oh, j'ai raté la tête. Un peu trop en haut à droite au lieu d'en haut à gauche. Là, je suis dans une position qui est tellement ouverte qu'a fait très peur à tous les joueurs. Ce qui fait qu'il n'y a pas grand monde au final. Putain. J'enfile ta mère, ton micro il est allumé, il y a plein de bordel derrière toi, ah c'est ouais, normal. C'est affreux. Attends, je coupe. Oh les gars, vous êtes où, wesh? Venez les gars que je vous tue. C'est affreux. Oh, ninja, ferme ta gueule. Apparemment tu team up donc tu fermes ta gueule. Ouais, ah, qu'est-ce que tu veux toi, wesh? Ta gueule. Je suis sûr et certain. Tu vas rien tuer du tout, gros. Le seul truc qu'on va tuer, c'est tes allocs, espèce de cassos, hein. Ah mais c'est pas comme ça, c'est on sait. Les gars, si vous tombez sur le ninja officiel, mettez tous un report à son compte pour qu'il saute. Je m'en occuperai aussi après. Pourquoi? Wesh, j'ai fait quoi? Team up. Wesh, oh, c'est sûr. Il fait que me jouer. Et lui il veut vraiment me tuer à la grenade, gros. Il joue bien, hein. C'est très bien joué. Il me fait chier parce qu'il m'empêche de clear mon bac. Hein. C'est qui dans l'escalier là? C'est moi, je... ta gueule, frère. Merde. Tu joues bien, gros. Oh putain, je t'avais pas vu. Ninja, si t'es là, je vais t'enculer ta race. Viens. Oh, parle pas des races, toi. Eh merde. De grosse pute. Parlez pas de pute. Respectez les putes. Ouais. De même dans un bat. Les deux mêmes gars dans un bat, c'est impeccable. Ouais.
l'avantage là-bas. Oh putain, tu m'envoies toi. Magnifique gros. Merci lapin. Je me suis douté que t'allais passer par derrière après. T'as mis trop de smoke, t'aurais dû temporiser un peu ton masque et après y aller. Ça m'aurait complètement baisé, tu m'aurais défoncé. Tiens, il reste des joueurs boucliers les gars, donc on va jouer. On va jouer avec des Syntex. Regardez, moi mon bat il est pas en zone les gars, mais je t'emploie avec, tu vois ce que je veux dire? J'ai sprinté et activé le bordel pour être en l'air. En gros, je voulais envoyer deux grenades sur le côté et décoller. Et en fait, j'ai envoyé une grenade et j'ai décollé en même temps. Ça a fait crash mon jeu. Oh. Les gars, calmez-vous. Oh Yann. Ah c'est trop putain. C'est un live Brandon gros, je lui tombe dessus comme la misère sur le monde à chaque fois. Merci pour les follow. Ah, Hawkmas a répondu. Il se défend sur le fait de vouloir me tuer. Top 92, gros mot. C'est pas mal. T'es gros mot, t'es... Vas-y, bien, roule un deux feuilles, gros. Pose-toi tranquille. Et regarde la game, mon ref. On va dire... On va faire genre, c'est pas ce que tu fais d'altitude et pour une fois, t'as l'occasion de changer. Wesh.
Trop triste. Y'a son père, gros. Advil 400. Ça se prend toutes les combien, ça, Okmas? T'as fait un truc, Bibou? Genre, vais-vous. Genre, quand ça reprend, faut pas que je réarme, je réajuste et je retire. Faut que ce soit dans la continuité du bordel, tu vois ce que je veux dire? Que d'un seul coup, ça fasse... Et que ça aille buter. Mais sinon, c'est fantastique, c'est exactement ce que je voulais, gros. Je trouve ça trop drôle. Merci, Madcore, pour le sub. Merci beaucoup. Wesh! On n'est pas à ces endroits là, tout ça. Le mec il a vu Chouachin en track, il a tiré deux balles de snipe, il s'est échappé. Si le courage avait un nom, gros. T'enfuis pas, gros. Tu t'es encore enfui, fils de pute? Gros, il s'est encore enfui, gros. C'est pas possible. Eh, y en a un d'entre vous qui joue comme la pire des salopes. Le pire c'est que ça se voit, il sait. Le pire c'est que ça se voit, il sait, gros. Putain, c'est moche. Gros, c'est quoi ton pseudo? C'est pas lui que je veux. Lui, j'en ai rien à foutre, c'est l'autre. Attends, il est mort celui qui me traquait ou pas? Oh chat.
Il est mort lui, non? GG. I got you. Il m'a saoulé le sniper de merde. Je suis sûr qu'il visait même pas, juste il tirait comme une merde. Shit. Bon. Alex du 06. Te mettre sur une presqu'île et camper n'est pas la bonne idée. Ah pu... Non, et Pugli, tu sais très bien que c'est moi. Fais pas genre, gros, c'est... Oh là là. Bah oui, parce que j'avais ta prime depuis tout à l'heure, là. Il est en spectateur ou pas? C'est simple, s'il est en spec, même si je tapais des games avec lui, c'est banni partout. C'est au moins, on va la jouer simple. Je vous laisse checker les modos. Ça fait chier, hein. Acti, bande de saints, ils peuvent pas s'en empêcher, les gens, c'est atroce. Vous avez vu comment je suis obligé de leur courir après ou pas, les gars? Merde. C'est mon téléphone là qui est tombé.
Ouf, ça joue sa vie, hein. Ça joue plus fort que les autres games, les gars. Je vous le dis. Oh merde, 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 merde. Non ! À une balle près, Max. À une balle près, mon ref. Il y a tous les joueurs qui vont te maudire, Max, que t'aies perdu ta position. Tu jouerais quoi, Max? Tracker? Laisse tomber Tracker, Max. Genre, joue plutôt avec... truc pour courir plus vite. Truc de salope, Tracker. Wesh. Oh les gars, il m'a tiré 3 balles, je l'ai regardé, il s'est allongé, il a regardé derrière. La pute en haut de la tour. Duel moi. Il est allongé, il veut plus tirer. Putain, fait chier. Je me plonge pas dessus. Goulag fermé, t'es descendu d'un étage, mon grand. C'est quoi ton petit nom? Oh, t'es mort, toi. L'homme qui coupe les rotations, les gars. Oh, le bouclier marche. C'est pas de la merde, le bouclier. Putain, c'est... comme la Opel Meriva à partir de 9999 euros. Oh l'enculé. Enfin, l'enculé. Y'a quand même TV dans ton pseudo, hein. Tchut. Qui va... J'enfile ta mère. Mais mets une touche à ton micro, nom de Dieu. J'avoue. Oh le sniper au du toit décampe. C'est qui dit ça? Mais viens, viens fils de pute. Monte. Ah c'est toi? Bah c'est quoi la tête de ma mère, je viens, c'est bon, tu m'as chauffé. Viens, vas-y, porte tes couilles. Mais là, t'es normalement, je porte mes couilles, je suis en terre. T'as pas de couilles, tu vas pas venir.
Moi je viens pas. Moi j'ai pas de couilles là, mais frère, mais lui. Toi, c'est mais toi t'as pas de couilles, viens. Eh viens, salope. T'es où? T'es où? T'es où toi? Vas-y, hop, hop, hop. Mais je suis sur le toit, j'ai pas bougé. Macarena, Macarena, Macarena. Hop, qu'est-ce que tu fais? Droite gauche, droite gauche, droite gauche. Y'a le gaz? Hop. Y'a le gaz? Y'a le gaz, gros. Mais je sais, t'inquiète pas. Nique le show, nique le show. Il parle trop. Ah, je vais le trouver. Tiens! Nique le show, il parle trop. Ça m'a fumé. Oh shit! Wait, what? C'est très très bien joué ça. C'est très très bien joué. Ah. Ah ok. Mais c'est très très bien joué. C'est quoi? J'ai quand même me mettre sa POV, voir si c'est legit. Ah. Dommage. Dommage. J'aurais bien aimé voir le reste de sa POV. Oh, 12 kills, crène? Wait, what? Ok, ça pose des bêtises. Malin parce qu'il y a un véhicule, donc il sait qu'il a un point d'ancrage sur lequel s'entraîner. Oussama, t'as le droit de jouer voiture, y a pas de jugement, tout le monde peut jouer avec tout ce qu'il a envie. Oh là là, oh là là, oh là là, ça accroche hors, Kren qui prend le kill, qui reprend le bouclier derrière, qui remet les paralysantes. Il a un joueur en face de lui, hop, ça met la para. Il re-shield, il recule. Il prend pas le kill, il a pas confirmé le kill. Il a pas confirmé le kill. Ah si, il en a un V1. Il en a un V1, je crois qu'il allait proposer un truc au point. Il lui a accroché quoi, une termite? C'est quoi ce bordel? J'ai aucune idée d'aller. Mec, c'est une arbalète. C'est pour ça que je comprenais pas. Gros, y'a un joueur qui est arrivé top 2 en jouant arbalète, c'est qui? Bien joué les gars, super fin. Super fin les gars. Hey GG man. C'était qui le deuxième? Mec, je suis trop curieux de savoir que c'était qui. Mes enfants. Je ne sais pas, Kren. GG les mecs. Bien joué, bien joué, bien joué. C'est bon. J'ai ramassé, j'ai pris cher. Je pensais qu'il mourrait avant. Honnêtement, le scan d'occupation, il arrive au meilleur moment. Ah ouais. Ça joue fort les gars, regardez. On va changer de méta les gars. On va prendre une autre méta pour changer un peu. Pour faire d'autres trucs un peu plus sympas. Hop. T'apprécies, je te vois.
Quoi de beau, Pressier? Ça raconte quoi? Eh, bonjour, comment ça va? Ça va, Abdullah. Et toi? Ça raconte quoi en ce moment? Ça va, ça va. Toujours Pôle emploi. Ça a pas bougé. Et Pumpkill, il va bien? Attends, je t'ai pas tiré, hey, gros, je te tirais même pas dessus, je te parlais. Ah, tu con... Si tu veux, on se tire dessus, hein. Ah, c'est toi qui vois. On peut pas monter là. Oh, il y a une échelle ici. On va se tirer dessus, hein. S'il veut qu'on se tire dessus. Coucou. Je voulais l'exec pour toi, Tata. C'est une feuille que j'ai vue? C'est une feuille. Mais il s'est pas laissé faire. Ce style de jeu avec une arme et un boubou, c'est vraiment extrêmement fort en solo. C'est hallucinant. Là, je suis en train de chercher un truc. En fait, j'ai pas... J'ai quasiment pensé à équiper correctement mon truc. Faudrait... En fait, il me faudrait une Syntex. Faut une thermite? Une thermite? Une thermite, ça peut être rigolo après aussi. Hein. Bon, juste un masque en or. Le loot a été favorable. Hein. On va pas se plaindre, les gars. Le loot a été bon. Le masque, vas-y, je prends le masque, même s'il est pas ouf. On voit s'il n'y a pas une Syntex. On va prendre ça. Ça, il n'y a pas besoin. Est-ce que la BAPI est à jour sur le site? Non, parce qu'il m'a fallu du temps. Olé. Je me prends une balle de snipe. Toujours le snipe qui me tire dessus, je sais pas où il est, j'arrive pas à le voir. Cody Yakuza, je crois que ça... Il fait partie de ceux que je bute très très vite en début de partie, Pichoun.
déplaçons-nous, chat. À la cool. Ah, merci. C'est un chat. Il a pris les bonnes lignes à chaque fois. C'est, ça se voit qu'il joue bien. C'est soit il cheat, soit il joue super bien de toute façon. C'est bon. Il y a du monde, hein. On sait qu'il y en a encore au moins deux. Majestic TV. Il m'a dit que j'étais un connard tout à l'heure. En defcam. En defcom. Il a raison, defcom, tu peux dire ce que tu veux. C'est... Mais je vais lui tomber dessus du coup. Non. Non. Oh, elle est belle. Bien joué, mec. Elle est belle, elle est belle, elle est belle. Ho ho ho, Gotaga. Bon, lui il a pris cher, Pichon. J'ai mon colis juste ici. Ah. Et merde, c'est la zone.
Qu'est-ce que je pourrais faire? Ok, y'a ça, y'a ça, y'a ça. Vas-y, on va réfléchir, chat. Je vois qu'il y a un boubou là-haut. Y'a Magic qui m'a foutu une jolie balle. Y'a ce joueur bouclier qui est en train de me suivre. Donc, on se doute pourquoi est-ce qu'il est en train de me suivre, chat. Parce qu'il y avait deux autres joueurs à sa droite. Mais pourtant, il les suit pas. Il veut juste me faire. Ça, c'est Zlatan. Ça joue bien. Oh merde, quelle erreur. Il a essayé de me la coller au snipe là. Vous demandez pourquoi est-ce que je suis en train de faire ça ou pas? En gros, je suis en train de faire en sorte que ceux qui me suivent se croisent. C'est pour ça que je vais dans un côté opposé de la zone, tu vois. Et en plus de ça, normalement, il reste une autoréa ici, alors que sur l'autre shop, il n'y en avait plus. Voilà, chat. On a entendu tirer dans ce bâtiment juste avant. Alors là, si je me prends pas une tête au snipe, gros. Oh là là, j'ai pris cher, chat. J'ai pris cher, mais je continue ma rotation. Ok, ça a bien joué. Là, on se souvient qu'il y a un sniper, donc on prend des covers quand on se déplace par rapport à ce bâtiment. Hop, on garde le double sprint et le plongeon pour esquiver. Il vient de se prendre ça, donc on va mettre deux grenades. On va lui mettre une frappe. On se met la boîte de mun. Oh, c'est joli. C'est bien fait, c'est bien fait. Oh, ça sue. GG, chaud. Bien joué à toi, gros. T'as très très bien joué, ça sue. Il a excellé. Il a très très bien joué. C'est exactement ce qu'il faut faire, lâcher du chargeur en sautant de droite à gauche pour créer des D5 et choper les pieds, l'épaule, la tête. Trop bien joué. On quitte pas la game, chat. On va regarder petit Sasu comment est-ce qu'il se débrouille. Il a déjà 9 kills, c'est-à-dire qu'on était tous les deux à 8 kills, mais il est quand même monté à 9. Il a plus de piles. Il a pris un bon bâtiment, Sasu. Il devrait vraiment prendre. Ah, il prend pas la hauteur parce qu'il se prend une frappe. Il m'a délogé, Sasu. Il t'a délogé, Maxi. Maxi, c'est moi. Il y a tout le monde qui te déloge aujourd'hui. Je vous invite évidemment à aller vous servir un goûter. Vous prendre un apéritif. Aïe 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 aïe. Sasu, t'étais sur ma POV, gros, il faut pas être naïf. Dis-toi que tous les endroits où tu vas, c'est regarder, il faut mettre une smoke avant de faire des trucs comme ça.
Et on a Kill qui joue avec un gros Victus sa mère. Oh là là, la taille du Victus. Je sais même pas ce que c'est. C'est quoi l'autre arme? C'est une Fennec? Non! Gros, y a un... c'est un joueur Skyrose. Un joueur Skyrose, qu'est-ce que c'est? C'est un joueur qui joue avec un sniper qui est très très gros. Et qui joue avec une AR à côté. C'est très très fort, chat. Hein. Oula, celui qui lui est tombé dessus, par contre, il est taqué. Hein. Là, l'erreur qu'il fait, c'est de rester exposé en open pour juste un gars. Genre, pourquoi rester exposé en open pour juste un mec? Alors que là, il pourrait aller se placer cimetière ou dans le bâtiment en face. Là, il faut qu'il profite de cette avance qu'il a d'être déjà incrusté en zone pour aller s'incruster encore plus loin. J'essaie de donner des petits conseils comme ça, parce que je sais que la plupart d'entre vous, enfin, qui ont joué, ils regarderont la POV et peut-être que les conseils les aideront. Par contre, il est magnifique son Victus. Hein. Il vise un peu trop lentement à mon goût, mais il est magnifique. En fait, là, il a pas d'angle... intéressant. Il peut voir si les gens arrivent, mais tout le monde pourra esquiver vu à quelle vitesse il vise et quelle et même sans parler vraiment de ça, comment est-ce qu'il se positionne? C'est ça qui allait se passer forcément, tu vois. Parce que les mecs qui s'incrustent en zone, ils sont overréactifs, ils regardent tout partout. Ah, c'est Riz. Oh. Et voilà Riz qui est en train de jouer. Riz qui tente la balle de sniper. Hey Ghost, il faut vraiment que je lui mette la balle parce que là il va être head glitch et je vais être dans la merde, je suis en open, je dois cross. Qu'est-ce que je dois faire? Mon Riz, il va falloir que tu portes tes couilles et que tu mettes tes balles là à un moment donné. T'as 9 kills, il va falloir passer la barre des 10. Allez, je vais y arriver Ghost, t'as raison. Je prends ma ligne à droite. Oh, je prends mon temps. Je stresse Ghost, je stresse. Riz! La dernière fois, on a léché nos boules. Maintenant, il va falloir jouer. D'accord, Ghost. Je vais le faire. Je le push. Je prends ma ligne. Mais c'est pas évident. En plus, il y a un drone explosif. Putain, je suis low HP. Mon masque à gaz, il faut qu'il s'active. Sinon, je suis mort. Mais comment je fais pour le pusher? Non, comment je fais pour le pusher? Riz, n'oublie pas que tu as des smokes. Ah non, t'as des paralysantes. Il tempole le masque. Ah non, il a des smokes. Les paralysants sont devenus des smokes. Il a tout équipé. Oh là là, il le voit, il change d'arme. Ah non. Resmoke, resmoke. Oui, il resmoke, c'est très très bien fait. Il a plus de trucs. Il faut qu'il se fight. Il se fight, c'est très bien joué, c'est ce qu'il fallait faire. Là, il faut aller looter le corps. T'as pas le choix. Allez, Riz. Prends ce qu'il y a sur le corps. Je prends tout ce que je peux, gosse. Faut que je remette les deux plaques. Putain, voilà qui m'a encore accroché. Non, encore une portière de 408. Et avec un shotgun enflammé. Riz, décidément, t'as l'art de te faire tuer par des mecs qui ont des pseudos bizarres. Ils s'appellent Monoboule. Salut TikTok. Et on a Monoboule qui est en train d'avancer très tranquillement, qui met une frappe sur le côté, c'est pas la... S'il met une frappe vraiment de ce côté, il faut qu'il reparte dans le cercle à droite. Là, regardez, vous voyez l'arc de cercle là-haut? Il faut qu'il reparte du côté droit pour avoir l'avantage et vraiment la vision de jeu sur tout ce qui se passe. Il est en 1v1, il met la balle, la deuxième balle. Et c'est Monoboule qui gagne, chat! Envoyez des Monoboules dans le chat! Mais les gars, on s'en fout qu'il y ait une shotgun, boubou, machin. On joue avec toutes les armes, on profite, on s'amuse. GG Monoboule, GG, GG mon gars, GG. Non. Je
me suis fait circle, chat. Je me suis fait circle, putain. Oh, Joello, putain. Combien de fois on s'est croisés tous les deux? Wesh. Oh, Flo, j'ai pas pris match, là. Je sais, lapin. Allez, Flo. Fume-le. Bien joué, Flo. Bien joué. Bien joué, tu gères. Ils sont mignons. Regain. À ce stade du jeu. Joello, je l'ai croisé trop de fois, Pichoun. Je sais qu'il stream hack pas, un peu cher. C'est... Ça s'est vu à chaque situation, mais c'était drôle. Allez, go. Ok, on est pas mal. On est pas mal, les gars. Explosed. Bien joué. Non mais joue lapin. Il s'est fait exploser peu cher. On va spec les gars, on va spec, je quitte pas. Attends chat, il y a un petit problème sur mon overlay. C'est bon. C'est le frère à Jocinho, mais non. Il m'a explosé. J'ai la ref, Félix. On s'aime bien maintenant. Ça fait partie des rares que j'apprécie bien maintenant. Oh là là, oh là là. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh là là, oh là 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 là. Oh là là. L'Unka, c'était pas ça. C'était pas ça le goulag. Moins de sprint, L'Unka, plus de. Oh, ce pseudo. Ce pseudo. Insomniac écrit en Charmap. Qui a connu le Charmap sur Counter-Strike? T'en lances une? Ouais, c'est possible. Oh là là, il est joueur. Insomniac, si t'es un pseudo Kikou mais que tu hot-drop les gens, tu vas me régaler. Oh là là, ça y va. Le spray est bon. Et Nico TX qui a été abattu et qui offre... ramasse la paralysante et tout, non? Et Insomniac qui atterrit et qui a un stuff quasi parfait. Bouclier, MP5. Il est bien. Il y a vraiment 10 mecs à la Forto. À la Forto, c'est la folie, gros. Oh là là. Il le repère, très agressif, il rentre dedans. Il a pas de shield, il le sait. Mais s'il a pas de shield, ça veut dire que quelqu'un lui a craqué le shield. Il faut faire de la déduction rapide aussi. Bam, il sait d'où ça vient, il va s'orienter correctement, il peut même... Il peut cook la nade et prendre déjà des dégâts. Il joue bien. Il le joue bien, il recharge. Il y a un sniper derrière lui. Il cook la nade. Il y va, et là maintenant il faut push à la MP5 en se servant des tombes. En s'escapant de ce sniper qui est sur le toit. Donc passer derrière le muret. Voilà, c'est bon, très bien joué. Et là maintenant il sait qu'il a un contre un contre l'autre mec. Il va devoir trouver une solution aussi pour acheter son loadout. Parce qu'il n'est pas tombé sur le loadout.
En soi, il lui manque plus qu'une paralysante, il a déjà le stuff parfait. Il essaie de trouver le mec qui s'est enfui. Peut-être qu'il a regardé sa map aussi. Il a compris que le shop qui était derrière lui, ça va être un peu trop compliqué. Donc il va sûrement aller chercher un shop en zone, tranquille. Totoruréa, bon il est bien. Il est bien. Ah Pugli, c'est pas pareil. Les games comme ça, c'est pas pareil. J'adore la vidéo Instagram, incroyable, merci les gars. Merci les gars. Ok, sans rien de chercher, tranquille, ça cherche. Waouh. C'est quoi la meilleure sensibilité pour jouer à Warzone clavier souris? Je te donne le tips. Tu prends ta souris, tu vas en jeu, tu donnes un coup de souris, faut que ça fasse un demi-tour. Si ça fait plus qu'un demi-tour, tu baisses. Si ça fait moins, t'augmentes. De rien. Ma game a été bien rapide. La mienne a sûrement été plus rapide. Oh, il a pas de masque, mais il veut pas ramasser le masque gris. Il est dans une période de loot plutôt tranquille, mais tout en jouant, il est agressif quand il y a des gens, c'est pas chien à suivre. Après, attention, la 106 c'est très personnel, hein. Ce que je vous dis, c'est pour moi, ça me semble être un bon conseil, parce que c'est une 106 qui est plutôt haute, mais qui est à la fois pas si haute que ça. Donc, c'est quand même à prendre. Là, par exemple, quand il voit qu'il y a une zone énorme à cross comme ça, il devrait regarder sa minimap, les véhicules qu'il y a à côté, et prendre les véhicules. Ce serait moins dangereux. En fait, tu peux faire une sensi à la ESK ou une sensi à la Red Hawk avec limite deux fois plus de DPI que moi, deux fois plus de sensi. Mais tu dois être excellent. Il a pas de paralysante. Il veut juste mettre des dégâts. Oh là là, il a pris très très cher. Le mec a bien joué en face. Il faut se re-shielder. En fait, le mec a pas tilté qu'il lui avait envoyé une sensorielle. C'est bon, il s'est bien re-shieldé. Une plaque et demie. Il y a un autre joueur qui vient d'arriver. Il prend l'option plutôt de courir. Oh là là. Il se refait quasiment crack. Et c'est Vince Gasoil qui décède. Après lui être tombé dessus. L'autre, il va falloir re-shielder, refaire un tour de manège. Hop, il re-shield, il refait un tour. Et là, il va falloir jouer son 1v1. Il le joue, il tire un peu à côté. Aïe. Il tire complètement à côté. Gros teabag de la part du joueur en face. Et c'est Youv, tiré lent. Et je mise une patate sur le fait que Youv va faire une très bonne game. Va arriver dans le... Allez, je suis joueur, j'annonce un top... au moins un top 6. Top 6 pour Youv. Après, attention, hein, les gars. On est dans des games personnalisés où la moitié de... C'est pas sûr que ça respecte les règles. J'aimerais, mais c'est pas sûr. Donc, la mort peut vraiment arriver à tout moment. Hey, Virus. J'espère qu'il se fait écraser par une voiture. On verra ce qui arrive comme mésaventure à notre ami Youv, qui aime beaucoup la glissade. Qui n'optimise pas son double sprint à fond. Il pourrait double sprinter deux fois plus. Et après glisser. Ça lui ferait gagner au moins 2-3 dixièmes sur chaque déplacement. Ce qui fait qu'au final, il parcourrait au moins 20 mètres de plus sur 100 mètres. Ça, c'est il y a des petits trucs à Opti. Mais ça joue. Hein. Comment vous allez, toi et BBH, hein? Fatigué, mais ça va. On a...
J'ai la chance d'avoir une belle mère incroyable qui aide de ouf. Donc ça va, tu vois, la maman fait un super taf aussi. Donc, ça me permet d'être là avec vous. À la cool, à la fraîche, à la bien. Tada, tu pourras m'envoyer le compteur à combien on en est déjà? Sans compter today. Code prévu pour ce soir? Ce soir, je suis allé acheter du jambon de Bayonne, du saucisson, un peu de fromage, du bon pain de campagne, du fromage de chèvre et un bon miel. Donc ça va faire toast chèvre-miel avec petit saucisson, tout ça, et le tout devant un bon Netflix, je pense. C'est ça. Oh, Youve ! Ah ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh ! Les gars, regardez qui c'est qui l'a tué. Vampad, le professionnel. Vampad, nous avons l'honneur de spec Vampad. Le Belge. Vampad qui pratique son style de jeu à la perfection. Vampad qui va tenter une sortie. Est-ce que c'est... Il a déjà le masque, il a déjà tout, il a une boîte de plaques, il a les paralysantes, il a les couteaux. Ça va acheter une boîte de mun. Il veut se... Je pense qu'il sera plus à l'aise avec ça. Là, il va peut-être virer une saloperie pour prendre ça. Et Vampad qui a une boîte de plaques, une boîte de mun. Il y a des fumis, il y a des paralysantes, il y a tout le stuff dont il rêve. Il a mis une mine à dispersion et il campe dans l'angle. C'est pas forcément qu'il y a un joueur, c'est que la mine est arrivée à expiration. Ça veut dire que ça fait vraiment longtemps qu'il campe ici. Et du coup, la POV de Vampad. Vampad, il claque sa boîte de mun. Ça va sûrement ranger les paralysantes d'un côté. Il doit être en train de tout optimiser dans son inventaire. Il reprend la boîte de mun. Il a un kill. Vampad, qui est pas connu pour être un fragueur... Hey Tata, t'es sûr? Sûr? Parce que je te jure, je suis quasiment sûr d'en être à plus. Le survivant, son nom. Ouais, c'est une bêtise, Elix. Le run... Oh là là, ça en train de se cacher. Vampad qui vraiment... trouve... En fait, Vampad, sa solution pour rester en vie, c'est qu'il se cache dans des bâtiments à des endroits... Où tu t'attends absolument pas à ce qu'il y ait quelqu'un. C'est pas dans le centre zone. C'est pas sur le bord de zone. C'est 3-4 bâtiments à chaque fois à l'intérieur. Et il survit. Ouais, Jupil. Ça va ou quoi, le S? Merci, Elix. Il y a une sorte d'araignée qui m'a piqué. Ah. Ouf. Merci, Alonso, pour les 4 mois. Oh, Tony, ça n'a pas bougé. Fais-nous rêver, Vampad. Putain, Vampad, je crois que c'est la POV la plus chiante du monde. Vraiment, nique ta mère, Vampad. Je peux même pas écrire, gros.
S'il y en a qui sont, si parmi les 30 derniers, il y en a un qui est sur le live par tout le plus grand des hasards du monde, n'hésite pas à écrire dans le chat. Je t'en voudrais même pas que ce soit sur le live pour le coup. N'hésite pas à écrire dans le chat. Vampad, bouge. Vampad, fais du spectacle. Vampad, tu passes à la télé. Vampad, genre insultez-le par pitié. Et Vampad qui se déplace. Camper, Vampad, Lul. Il a dû voir le message, ce troll belge. Il se déplace. Il se déplace tel le renard. Il se dit que ça pourrait être rigolo en fin de game. Oh là là! On lui colle une grenade. C'est terminé pour Vampad. C'est terminé. Et ouais, beaucoup trop statique. Mais il devrait se réanimer maintenant parce que le mec... Réanime-toi, qu'est-ce que t'attends? Mais il était trop con. Mais non. Et Vampad qui est T-bag et abattu tel un chien par le guide. Et le guide qui à son tour est abattu comme un clébard par Youv qui revient dans la partie. La paralysante qui tombe sur Youv. Youv qui tombe suite à cette autre personne qui l'humilie en lui collant une grenade sur les testicules. Et c'était Reese. Reese chat. Ghost, est-ce que tu vois tout ce que j'ai réussi à faire? J'ai tué un mec à la grenade et j'en suis à 12 kills, j'ai enfin passé la barre des 10. Je vois ça, Riz, je suis plutôt fier de toi. En plus, voilà que ton inventaire, t'as stack et des fumis et des paralysantes. T'as tout pour gagner la partie, mon Riz. C'est le moment de briller, mon salaud. Oh, ok, Ghost. Ça me fait trop du bien quand tu me dis ça. Ok. Reese, ça va être le moment que tu te tentes quelque chose de grand. 3-6 Titanic, Quickscope. Reese, applique-toi. Mais je stresse, Ghost, je stresse. Je sais pas où aller, je me mets à regarder partout, je me mets à paniquer, mon petit cœur chavire. Je sais que je suis cast par Showy. Ah, j'arrête de décaler, je loot la caisse. Reese. Ghost, je tentais airshot, t'as vu Ghost? Je l'ai craqué, je vais rusher Ghost, je vais rusher! Je l'ai eu Ghost! Bien joué Reese, bien joué! Y'a rien à dire, c'était vraiment pas mal. Par contre, t'as perdu la hauteur mon Reese. Est-ce que ça valait vraiment le coup de perdre la hauteur pour un pèlerin? Ah Ghost! Attends, tu vas voir ce que je vais te montrer! Hop 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 hop! Hey, tu connaissais pas ça? Oh putain, je le connaissais pas ce trou là. Bien joué mon Reese, tu connais vraiment la map par cœur. Oh, tu l'as vu lui devant, fais lui sa fête. Tu crois que je vais faire quoi? Oh putain, c'est grand mort, il vient de se faire rafaler par une frappe de précision. On se croirait à Bagdad. J'ai vu sa tête. Putain. Je suis ajusté comme un vieux couteau suisse fait par des putains de néerlandais en Bretagne. Reese, tu l'as vu en open field. Prends ta ligne. Je prends ma ligne à droite ou à gauche? Ghost, réponds-moi, à droite ou gauche? Reese, prends à droite. Non, à gauche, à gauche. Je l'ai touché, Ghost. Mais il vient de sauter dans un trou de bunker. Un trou de bunker. Qu'est-ce que c'est, sérieux? Je viens de lui tirer dans une couille. Il va se déplacer plus qu'avec une couille, ce chien, maintenant. Salut. Reese, tu l'as vu, ajuste-le. Reese! Mais qu'est-ce que tu branles? Comment t'en tires autant à côté? Reese! Ah! Bien ça, mon Reese, bien! Il t'en a fallu quelques-unes pour ajuster, mais voilà que tu lui as mis le pruneau. Ah, c'est pas faux, Ghost. Ça, il va pas falloir que je le fasse apparaître dans le toc-toc. Sinon, ça va être la merde. Oh putain, je voyais son arme dépasser. Il m'a foutu le claco. T'inquiète, t'as une autoréa, t'es bien. Bah non, il va falloir re-shielder. Prends ton temps, regarde la situation. T'as un truc pour vol-vol? Ah. J'en ai vu un dans le gaz, je l'allume. Il doit avoir un gold mask, fils de pute. Mais là, ah, il est knock. Oh lui, je vais pas pouvoir aller le chercher. Faut que j'ajuste ma grenade. Prends ça, chenapan. Oh, il l'a pas pris.
Je l'ai envoyé un peu trop tôt, peut-être. Allez, tu lui coupes la rotation, tu prends le toit, t'as gagné la partie. Vas-y, Ghost. C'est pas le mec le plus important, je sais que tu veux le tuer parce qu'il y a le spectacle, mais... Pense à la position... Oh! Ah, je l'ai eu, je l'ai eu! Bien joué, Riz. Maintenant, je vais prendre le top. C'est ce que ferait Showy. Et je vais gagner cette putain de partie. C'est ma game privée, bande de salopes. 1v1v1. Tu dois juste faire attention, Riz, qu'ils montent pas à l'échelle à côté. Et aussi, s'ils décalent à la fenêtre, t'es comme un salopio. T'as plus d'autoréa, mon con. Ça va pas être le moment de déconner. Tu vas quand même pas aller les chercher. Ghost, je suis malade. Non. C'est bon, j'ai repris. J'ai repris mon calme. Mais je suis excité, j'ai envie d'en décaler. Tu l'as entendu. Je me perds. Oh, je me perds dans mes voix. Je suis placé sur ce top. J'ai un masque à gaz qui est quasi entamé. Ghost, qu'est-ce que tu me conseilles? Riz, il va falloir aller les chercher, t'as pas le choix. Et voilà qu'ils sont en train de se foutre sur la gueule. Vas-y Riz, c'est ton moment. 1v1. Oh, le backstab. L'exécution. Je l'encule. Je l'encule. C'est qu'une merde. J'ai gagné. Bien joué Riz. Salut TikTok. Ouah. Faut trop que j'arrête la drogue, chat. Tu peux me la refaire, j'étais pas sur le stream. Ah ! Oh Riz, depuis que je suis sur ta fucking POV, je fais le con, gros. T'as du contenu pour 6 TikTok, me remercie pas. C'est cadeau, c'est j'encourage la jeunesse. Je vais te dresser, Youv. Pangolin, va. J'ai hésité et finalement, vas-y go. Lui bloquer sa rotation, le baiser. Quand t'es dans sa situation, tu dois arranger ton ego. Ranger ton ego et reculer. Parce que l'ennemi a trop d'informations sur toi.
Et merci Soldier pour les 6 mois. Sasu, il rigole pas. Sasu, quand il est en forme, il rigole pas, effectivement. On va voir un peu ce qu'on a dans ce secteur-là. Rien qui court à première vue. Oh. Une libellule. Ouf. 210 mètres, headshot. Hey, Wanaka, tu me dois 10 subs. Ah, y'a un mec. Ah, quand vous prenez une crasse comme ça, y'a pas le choix. Par chaud, ça compte pas. On est déjà à 6 kills, les gars. Le pire, c'est que là, la game est trop cool. C'est juste trop chouette. Tu sens que tout le monde joue à son rythme, tout le monde joue normal. C'est agréable. La folie, gros. Ça, c'est la folie qui l'a pris. What? Peut-être pas la folie, en fait. Hein. Gros, ces balles, elles m'ont paralysé au sol. Je sais pas avec quoi il m'a tiré dessus. Wouah! Bien joué. Bien joué. Il y aura un redéploiement, t'inquiète, mon pote. Évasion imminente, peut-être. Salut Alexis, ça va? Je vais tirer dans le trou du cul du monde et je tombe sur toi. En fait, quand t'es à portée d'une tyrolienne, t'es jamais en sécurité, gros. Et ouais, Youv, je me suis douté que t'allais vouloir te déplacer, que t'allais croire que j'allais push ou je sais pas, qu'il allait y avoir un flip. Quand tu viens de faire un kill à gauche, que tu repars à droite, c'est téléphoné. Désolé mon lapin. Ça team up à Quarry. C'est quoi cette info? Pas trop quoi faire. Ah. Ah. C'est le même mec qui a voulu me finir, on dirait. Ah, il a bien joué une fois, mais... Deux fois, c'est quand même... C'est quand même dur. Oula. Ça joue avec le pompe du diable. Oh non.
sont à plusieurs sur moi. Spin frappe. Ok. Lui, il est en mission, ça se voit. Il a avorté sa mission, on dirait. Lui, c'est pas de chance. Au mauvais endroit, au mauvais moment, on va dire. Mais merci, mon ref, pour l'échappatoire. Eh, hey, CCG, ça va ou quoi, ma poule? Rotation, gros. J'allais trop vite, j'étais trop en open. Il était trop bien placé. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Putain, dommage. Trop heureux, j'étais sérieux au goulag. Eh, merci CCG, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça traque fort. Hein. Mais on va se mettre sur la POV de Zlatan. Tout à l'heure dans la game, certains vous avaient dit que. Il trichait, je l'ai tué la partie d'avant. Juste à ses mouvements, déplacements, ça a l'air d'être un très bon joueur. Donc on va pouvoir analyser son style de jeu, chat. Il stream hack rien du tout, gros. Genre. C'est moi qui suis passé dans sa zone. C'est un joueur clavier-souris, les gars? Non, pour faire des 3-6 comme ça, c'est une manette. Manette, mais il a une sensibilité monstrueuse à la manette, non? Elle est folle, sa sensibilité à la manette, gros. Je suis pressé de voir à quoi ça ressemble. Honnêtement, je suis pressé. Ça joue bien, les gars. Ça check tout, ça check à la précision, à la lunette de précision et tout. Ça traîne dans les open field. Car il sait que c'est là qu'il y aura le plus de challenge 1v1 au skill. Et donc, si tu te places là, c'est quand même que t'es pas mal sûr que c'est toi qui vas les gagner. Bon, c'est un peu gerbant à regarder. Parce qu'il fait que switch là. Il fait comme les TikTokers. Que des switch, que des déplacements. C'est vachement gerbant. Mais c'est efficace. Il voit que c'est en train de se suivre. Je sais pas trop à quoi est-ce qu'il est en train de penser actuellement. Je pense qu'il a envie de hot drop un des joueurs. Oh là là, là il sait qu'il est dans la merde, il va falloir... Oh, il envoie une paralysante à cette distance. La grenade qui craque et qui le sauve. Il a failli pas s'en sortir. Là il va falloir challenge le mec, il lui reste qu'il a pas beaucoup de plaques. Non. Il a préféré mettre la frappe, reculer.
Ça joue bien. Ça joue bien en face de lui. Le mec joue bien. Mais c'est vraiment, ça se déplace comme un TikToker. Hein. Même pour re-shielder, ça fait des 3-6. Ça me fume. Il vérifie sans arrêt qu'il n'y ait pas des gens derrière lui. Mais c'est pas... Je dirais que c'est pas optimisé, efficace. Il ferait mieux de regarder à un endroit et bien le checker, bien le travailler, plutôt que regarder dans tous les sens comme ça. Ce serait tellement plus efficace dans son style de jeu et pour... En face de lui, il y a un mec qui est complètement head glitch. Et lui, il a plus de plaque. Donc en gros, s'il prend un duel et qu'il le craque, il sait que c'est quasiment fini pour lui. Il a 4000, il y a un shop au-dessus qui a été jeté. Il y a un truc de thune à prendre juste à droite. Moi, à sa place, je serais remonté à la maison, j'aurais pris l'argent et je serais allé au shop, j'aurais acheté tout ce qu'il me faut. Parce que là, il traîne en open field. C'est courageux, tu vois, mais c'est un peu suicidaire. Et on voit que la voiture blindée, c'est ce qu'elle a, elle c'est ce qu'elle fait. Elle s'est arrêtée. Sûrement que le mec va se mettre full stuff, vu qu'on est zone 4. Il veut tout préparer pour la 5ème, 6ème et 7ème zone. Et Zlatan, lui, il se déplace plutôt... J'ai pas vraiment l'impression qu'il est un... Il s'est pingé un shop, mais il a pas vraiment de but ou d'idée pour y aller. Deux paralysantes, deux grenades. Il a stuffé énormément. Il a stuffé énormément, pas grand-chose. Et il est redéployé. Il avait un redéploiement. Est-ce que ça va lui servir de leçon? Est-ce qu'il va temporiser? Est-ce qu'il va réfléchir un peu plus? Là, regarde. Là, il a juste à regarder son stuff. Il a juste à regarder quand est-ce que le mec va partir. Là, on le voit partir. Regardez. Il est... Là, il pourrait retomber sur son stuff, là. Là, bam, il décroche. Il va sur son stuff. Il est bien. Il peut tout récupérer et aller au shop, quasiment s'acheter un truc à 100$ près. Là, par exemple, le mec s'est éloigné, mais il s'occupe d'autre chose. Peut-être qu'il va se repositionner à la fenêtre et lui sauter dessus à toute allure. C'est dangereux. C'est pas forcément le meilleur timing, je dirais. Mais c'est le timing qu'il a choisi. Il est armé. Il a plus de munitions. Il sait qu'il doit en trouver. Hop, il ramasse des trucs qu'il peut. Là, il a loot la caisse et va au shop. T'as l'argent. T'as vu l'argent qui est tombé. Ah. Joli. Il a entendu un bruit. Vraiment, il est impressionnant son style de jeu. C'est, comme je vous le dis, c'est 90% de ses mouvements sont inefficaces par rapport à la situation, tu vois. C'est overpower. Genre la flash là, le mouvement. Il y a trop de mouvements qui servent à rien. Mais dans l'idée, si on était en multijoueur et que ça se passait, ce serait insane. C'est du gameplay très multijoueur, je dirais plus. Plutôt que Warzone, qu'on est en train de voir. Ça tchale, 1v1, il est head glitch, joli mouvement, il a plus de balles. Le mec, le brain, ça craque. Ça joue bien, très très bien joué. Très très bien joué. Il récupère une plaque. Il pourrait très bien récupérer l'argent, il y avait encore une Kishta. Il fait pas attention à l'essentiel. Là, ce qu'il a besoin, c'est d'économie pour se remettre dans la game. Il a besoin de 5000 balles. Boîte de mun, boîte de plaques. Il y a le mec au-dessus de lui. Il esquive. Et là, il va vouloir le challenge. C'est ça où il est fou. C'est... Va te chercher des plaques. C'est à 30 mètres. Il a vu le bouclier. Du coup, il doit réfléchir à un autre chemin pour aller vers ses plaques. Il veut toper les munitions juste avant. C'est bien. C'est ce qu'il fallait faire. Et il va pas acheter les plaques quand même encore. Il prend son temps. Il a peur du camion. Il entend que le camion arrive pas. Il vérifie quand même encore une fois. Malgré le son. Et il fait pas attention à l'essentiel. Qu'il y ait personne sur le shop. C'était le seul endroit où il fallait vraiment checker et faire attention. Le camion, la droite, la gauche, le truc du haut, on s'en fout. L'essentiel, les gars. Vous fixez un objectif de là où aller. Et vous y allez de la façon la plus intelligente possible.
Du coup, on a Nat Noll qui a 4 kills avec dans le top 14. Nat Noll qui va se déplacer en zone maintenant quand le gaz avance. Ça va, il est pas trop en avance, il est pas en retard non plus. C'est un timing intermédiaire qui est plutôt bon. Il faudra voir après ce qu'il en fait et qu'est-ce qu'il décide de faire. Comment est-ce qu'il va jouer ses fights? Ça paralyse, ça joue 1v1. Hop, il confirme, là il va falloir reshielder. Et là la priorité qu'il doit avoir, là c'est recharger son arme et regarder l'extérieur de map là. Voilà, regardez de là où il vient. Vérifier que personne n'arrive. Il peut même mettre son drone qu'il a dans l'inventaire. C'est la dernière zone, ça va être le moment de brouiller la zone. Ça lui donnerait un petit avantage qui serait pas négligeable à ce stade du jeu. Voilà, il le fait, c'est très bien. Et là, il faut réfléchir stratégie. Il est très très bien, il est bord de zone. Là, il a même pas besoin d'avancer. Voilà, très bien joué. Très bien joué. Et alors, il y a la hauteur qui doit faire attention. Le temps que la zone arrive, il devrait s'avancer dans l'angle. Là, juste pour checker à droite. Et quand le gaz sera là, là, il se met dans l'angle et après, il réfléchira à une rotation. Mais il faudrait vraiment qu'il sait qu'il n'y a personne à gauche. Il le sait, il en vient, il l'a vérifié, on le sait. Mais à droite, c'est une autre affaire, voilà. Là, il faudrait, voilà. Là, il a une information, c'est bien. Il n'y a pas besoin de s'exciter. Juste, avoir l'info, c'est avoir un avantage. Il y a encore un mec dans le blindé qui vient de se faire buter à l'instant. Il jette ce qu'il a dans l'inventaire en trop. Là, c'est-à-dire qu'il avait 2 slots en trop. Il va pouvoir... voilà. Il est en train de prévoir la fin de game. Il a rangé 2 paras et 2 thermiques de plus dans son inventaire. Là, c'est bien. Là, c'est bien ce qu'il fait. Il y a juste à attendre. 17 secondes. La frappe de dispersion sera finie. Attends, mais il est en zone là? Je crois qu'il est en zone, il me semble, 90%. Mais dans le pire des cas, il a juste à monter au-dessus et escaler tranquille. Et ouais, il est en zone. Du coup, là, la rotation, elle est très simple. Il a juste à prendre là-haut. Vous voyez, il suit le cercle. Le déplacement du cercle de son côté, il a juste à le suivre. Et il est très 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 bien. Ah, bouclier contre bouclier. Paralysante contre paralysante. Là, là c'est pas ouf parce que ça lui fait cramer le masque à gaz. Là, il monte sur ça, il saute à droite. Allez, saute à droite, échappe-toi. Allez, fais ta rotation à droite. Allez, mon grand. Non, rentre pas dans le bâtiment. Ça, c'est une erreur de fou de rentrer dans un bâtiment. C'est là qu'il y a toujours des gens. Alors que là, s'il passe extérieur droite, full extérieur droite, il se retrouve en 1v1 final. Les deux derniers sont en 1v1. Et il descend en haut à droite. Allez, descend, descend. Allez, allez. C'est bon. Là, il peut même aller tuer le mec en rouge qui est en bas. Il aurait l'avantage, mais il préfère garder tout son stuff. Le mec en rouge est en train de faire une rota full gaz. L'autre se demande où est-ce qu'il est passé. L'autre se retrouve au milieu des deux. Et est-ce que la rotation full gaz passe, en fait? Est-ce qu'elle va passer, sa rotation full gaz? Il est en contrebas, il a été vu. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de smokes qui sont claqués de la part du joueur rouge. C'est lui qui est vraiment entre les deux. Là, il faut qu'il envoie les paralysantes. Allez, hop, double para. Allez, boum, envoie les paras. Non, il veut cramer la fin de son masque à gaz. Il aurait peut-être dû le jouer parce que il le voit que c'est un joueur dangereux. Il faudrait se... Oh là là. Il le voit que c'est un joueur dangereux, il faudrait vraiment s'en débarrasser. Allez, peut-être les paralysantes qui vont partir là. Allez, tu peux. Oh là là. Et le joueur rouge qui arrive à se débarrasser de l'autre. Et je sais pas qui c'est qui a gagné. C'est en 1v1, ça c'est fini. Et c'est X qui a gagné, gros. Gros GG à lui. Parce qu'il s'est retrouvé dans une situation de merde, gros. Il y avait des fumiers à droite, des fumiers à gauche. Il les a rincés, gros.
C'est bon. La scène devait pas être cachée longtemps. Qu'est-ce qu'il y en a des scans d'occupation, les gars? Putain, Wenaka, s'il savait. Ah merde, il est dans ce bâtiment. Ah, je l'aime pas ce bat. Non. Non. Je lui ai mis l'enfer, gros. Oh, il avait 1 HP, gros. Il avait 1 HP. Oh là 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 là. C'était close, gros. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait un mec à gauche, là, à cet endroit-là. Alors que la cible était tellement à côté. My bad. Bisous Gourla. Chat vocal, c'est activé. Ouf. On va rejouer debout, chat. Ça tirait un peu le... la bestiole. Imagine tu perdais ton goulag. Ouais, après, c'est quand même chaud d'imaginer des trucs aussi bizarres. J'ai pas autant d'imagination que ça. Peut-être qu'il y en aura encore une après celle-là. Je viens d'avoir la date de fin des heures. ...20h30 les gars, ça va aller. Ça part s'occuper de... de bébé H1.
C'est l'usine. C'est l'usine. C'est quoi ce qu'il m'a fait ? Il m'a mis l'OHP avec, avec un truc. Un couteau peut-être, pour que je comprenne pas à ce point. Par contre, tu t'y attends pas à ce qu'il y ait quelqu'un ici. Ah, c'est chaud. Bien tenté, les gars. Tu me l'as remise, ah, sac, j'étais obligé. Merci pour le top 1 d'avant. Me pose de malade sur le top 1 avec 18 kills. 18 kills t'avais, putain, lourd. Tu les as déchirés, gros. Il aurait tellement pu tuer le mec d'avant, mais il a pas pris, il a pas fait les bons choix. Mais c'était GG. Ouf. Non, c'est pas possible. Non, Zlatan, non. Non, trop de... Les gars, j'ai enchaîné 6 kills à la suite, gros, et je... Non, il stream hack pas, les gars. Il joue fer. Ça se voit qu'il est en slay. La game d'avant, c'est moi qui suis allé vers lui, Rajbes. Soyez pas haineux. Parce que je tire sans silencieux avec l'autre Jay et qu'il entend le mec mourir à gauche. J'ai bien envie de voir comment est-ce qu'il va jouer là. Il entend le mec. C'est fou qu'avec même le mec est il le sound, il le cherche. Ok, là par exemple, mouvement inutile, sauter, changer d'arme. Il restait en visée fixe avec son arme, il le trucidait à travers le mur. Ouf. Bonne réactivité de s'échapper. Le mec l'a déchiré en 5 balles. Sans rien de chercher au rez-de-chaussée. Il entend à droite, au-dessus. Il ressaute. Là, il a juste à sauter sur la gauche et c'est bon. Le bruit du parachute à côté là, lui a fait peur, l'a perturbé. Il a perdu son fight. Il stresse facilement, Wenaka.
C'est un excellent joueur, ça se voit. Mais dès qu'il y a une situation où il y a plusieurs personnes et tout, vraiment, ça le panique. Il se sent obligé de regarder partout. Il perd son focus, qui est parfois évident. Vas-y, ex, mais j'irai voir, gros. Même pseudo sur Twitter? J'irai voir ça après, vu qu'il reste. J'ai chaud, tu m'as kill. À un moment donné, j'en ai kill 4 ou 5. Tu l'as mis à pression aussi. Il est pas censé être sur le live, les gars. J'ai pas mis de pression. Ok, bon kill. Ah, il peut enchaîner. Là, il faudrait qu'il claque sa boîte de mun, Freezer. Petite boîte de mun, il aurait des smokes et des fumis. Faut pas rester sans stuff. Il pense à autre chose, il sait que son arme est rechargée, ça lui suffit pour le moment. Ouais, mon main est mort, ex. Il reste... Là, tu vois, il a voulu smoke par sécurité. Et il a pas pu parce qu'il avait pas le truc. Et malgré ça... Ah, voilà. Ça a été un peu long, mais il l'a fait. C'est bon. Là, que va nous faire Freezer? Ah. Il y a un mec là-haut. Je peux plus rien voir sur le principal, sur le show TV, ex. Je verrai mieux. Non, ok, on a Freezer qui est en train de se balader de bâtiment en bâtiment. Ouh, oh, oh, le petit craquage qui a fait du bien. À la cool. Les gars, je reviens vite fait. Je vais mettre à chauffer le four pour que mes toasts au miel, quand j'arrive, ils soient pixel. Ok. On en refait une après celle-là.
Y'en a d'autres avec nous ou pas? Non. Oh, ça me fait tellement plaisir. Ok. Ah shit! Merde! Bon, ça va. Allez, bisous. Non, attends, juste. Merde, mais à chauffer le four 180, je vais quand même faire les toasts. Je m'en fous. Même si j'ai contaminé le miel. Merde. Re chat. J'ai contaminé le miel, chat. Ah, bah vous le savez, j'étais pas muté. Exactement, CCG. En fait, c'est le miel dont je me suis servi quand j'étais malade. Oh, on est re sur la POV de Zlatan. On va se mettre comme ça. 8 kills, top 19. Il est dans un bon bâtiment qui est bord de zone. Là, il a pas besoin de prendre de risques, il a pas besoin de se déplacer plus que ça. Aller sur un toit, c'est la folie. Dommage, les grenades elles sont pas ouf. Il a pas mal chié les grenades. Je sais pas s'il pense l'avoir touché. Ouais, là. Il a pas de cerveau, putain, Zlatan. Ok. Voilà, tu vois, retourne dans ton bâtiment. Voilà, là il est bien. Là il est bien dans son bat. Il peut. Il a pas... T'as pas cliqué dessus, lapin. Il dit qu'il a encore une paralysante qu'il voudra cliquer après. Il veut pas la stocker dans son inventaire. Il prend la hauteur, mais il oublie qu'il y a des bâtiments derrière lui qui sont... Ok, ça c'est une situation qu'il adore. Il y a du monde partout, il est en 1 contre 1000. Cet homme raffole de ces situations. Donc c'est pas forcément une situation stressante pour lui. Ça c'est ce qu'il adore. Là il faudrait qu'il redescende en bas juste pour cliquer sur le truc des munitions. Il l'a vu dans l'angle de la... Il sait à peu près où il est. Il sait que là, à droite, il va être... Hop, paralysante. Il est mort, GG. Oh là là. Bouclier, il prend pas les paras. Il va essayer de faire des dégâts de zone. Le bouclier s'oriente bien. Il prend aucun dégât. Faut mettre la frappe et avancer. Il sait qu'à... Là, il va vers des... En fait, il va hors zone vers des bâtiments qui sont potentiellement habités. Alors que cet effort, il aurait pu juste aller en zone dans des bâtiments... Pour moi, c'est pas la bonne chose. Il s'en sort bien, mais c'est pour... Trou du cul. Tu mérites que ça. Il a voulu faire le cake, il est mort. Là, je vous avais dit, les gars, genre, quand il y a trop de rats partout, alors qu'il serait allé direct dans le bat en zone, c'était bon, tu vois. Et on est sur Yofex qui a 3 kills, qui fait une petite game tranquille, genre... Il est au rez-de-chaussée, il s'est incrusté dernier en zone. Contre lui, il reste quand même 10 joueurs dans cette petite zone. C'est-à-dire qu'il y en a un extérieur, il y en a deux dans les véhicules, il y a lui, c'est-à-dire qu'il y en a 4 à l'étage. Il y en a 4 à l'étage et sûrement un ou deux dans le bâtiment d'à côté. Là, il peut monter dans la voiture, ouais, c'est le bon move, vas-y, trace avec la voiture. Là, il aurait pu partir avec la voiture, ça aurait été le roi du pétrole. Au lieu de ça, il se retrouve à manquer de se faire rouler dessus, gros. Hop, il se fait allumer par des snipers. Il va falloir re-shield. Allez, re-shield, mon lapin. Là, il a peur parce qu'il a vu l'ombre à face. Et là, il va 1v1 alors qu'il n'est pas re-shield complètement. C'est une erreur. Une erreur qui lui coûte directement la vie. C'est des erreurs toutes bêtes, hein, mais ça coûte le top 10, tu vois, le top 5. Et c'est Colibri qui a encore envie. Il y a un quelqu'un qui... Il a cramé son masque à gaz, mais il en a un autre. Ça push à droite, ça push à gauche, il reste plus que des boucliers dans la partie. Boucliers qui ont imposé leur style de jeu, leur vision. Il profite de son masque à gaz pour se replacer en zone. Il allume le premier bouclier. Ce qui est vraiment trop fort contre les boucliers, c'est les syntex. Donc il a juste à placer ses syntex intelligemment et il a gagné, quoi. Il y en a un à droite, il le sait. Mais celui à droite à la zone, celui à gauche aussi en soi. Ah, c'est un peu du...
Là, on verra bien qui se fight en premier. Il y a un petit move à faire qu'il pourrait faire. Hop, et là, il prend le... Vouf, 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 il se place sur le toit. Magnifique. Magnifique. Là, il faut attendre le 1v1. Non, tire pas, tire pas. Là, il faut juste qu'il attende le 1v1. Surtout pas, surtout pas. Quelle erreur, les gars. Quelle erreur qu'il vient de faire. Là, il vient de cramer ses deux meilleures chances de gagner. Parce que même s'il est en 1v1, l'autre, il lui reste un bouclier. Et là, il vient de cramer tous ses stuff. Vous allez voir ce que je vous ai dit, chat. Là, ils vont se jouer. Il a trop de chat. Il a trop de chat, gros. L'autre lui a accroché une thermite avant la fin. Bien joué, bien joué. Mais ça aurait pu tourner au drame. Beautiful, you beautiful now. On est parti, chat. J'ai l'impression d'être observé, chat. Chat, c'est pas parce que c'est la dernière game qu'il faut pas respecter les règles. Deux kilos spawn et encore deux ou trois qui challenge. Brillant.
La prime a été volée. Meurs. Traqué, chat. Bon. Allez, go boule de poil, va en zone. Il n'y avait pas genre pile assez pour Mais si. Et si chat. 12 500. T'as les deux plaques idylliques, t'as tout. Ok. Fasse gaffe, faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un sniper qui shoot. Putain, il vient de... Ah là, c'est pas de chance. Hein. C'est pas de chance. Attends. Des smokes ? Pourquoi j'ai des smokes ? Voilà. Oh là. Fais chier. No way. No way. Il y avait une cachette entre la poubelle et ça. No way. Ah ok. ok, j'imaginais pas à ce point. Dommage.
C'est pas grave les gars, on a une goulag. Ouais, ok Okmas. Ça marche. Merci Diwiz pour les 6 mois. Attends, il faut que je clique, j'ai pas vu le message entier. T'aimes bien The Finals? De ouf. On est contre le ex. Dommage. Le gagnant de l'avant-dernière game. Il vient de trépasser, chat. Mais il m'a salement amoché. On va regarder un peu ce qu'il y a à faire. Ce qu'il y a à faire dans le secteur. J'ai vu ta voiture à l'aéroport de Marseille. Alors sauf si on me l'a volée, normalement c'est pas possible. Ça, c'est la technique, chat, dite du dernier espoir. J'ai pas d'argent. J'ai rien. Du coup, qu'est-ce que je fais, chat? Je prends un véhicule. Et en gros, c'est ce véhicule qui représentera tout mon stuff et tout le reste de ma vie. Le reste de ma life. Il est bizarre le véhicule là-bas. Je crois qu'il est stun. Hop! Je n'aurai une idée d'endroit où aller. Hop là. Et là on est parti, chat. Vous attendez pas à une game où il va y avoir beaucoup de kills. On a Colibri qui a déjà pris la position. J'ai fait exprès de lui crever un pneu pour qu'il voit que j'endommageais son véhicule. Et là, en venant vers lui comme ça, comme un gros mal alpha, je l'oblige à descendre. Il y en a une de plus qui rentre dans le buffet, ça le fait tomber tout en bas. J'ai la position. Il ose tout juste remonter dans sa voiture. Du coup, on va lui rappeler qui c'est le alpha, tu vois. On dirait qu'il l'a pas bien compris, donc on va devoir encore y retourner. Je vois qu'il a un bouclier. Il voit que je lui fonce dessus, normalement. Hop. On a les coucous qui se rapetissent là du coup et on a une fuite logique du joueur. Il prend l'angle. Eh mon ami, tu ne peux pas me tuer mon ami. Je suis de la famille. Eh mon ami, mais arrête de faire chier, connard.
Il en a eu marre. Mets le clip, Bébou. Je t'en supplie. Et là, les gars, ça sert trop à rien de faire grand chose. Juste rester garé comme ça. Hop. Il avait même pas fait la cache. J'ai tellement rien dans l'inventaire que tout ce que je stack peut être potentiellement intéressant. On est sur ce genre de partie. Petite vérification qu'il n'y ait personne. Comme on peut voir, merci Joujou pour les 4 mois. En fait là ce que je fais c'est j'économise l'essence de mon véhicule. Comme je vous ai dit, cette game je mise mon top 1 uniquement sur ce véhicule. C'est la technique du désespoir, chat. C'est quand tu n'as plus rien mais que tu veux quand même aller au bout. Vous pouvez le voir, j'ai pas de plaque non plus, j'ai R, pas d'autoréa, pas de masque. Mais j'ai lui. Fait chier. Il y a un sniper qui mystiquement a fait le move parfait. Deux grenades, la totale. Plus une frappe à despé. Lui les gars. C'est même pas sûr à... C'est sûr à 100% les gars. Nique ta mère Hichem. J'ai plus de balles, j'ai plus de plaques, j'ai plus rien. What? Y avait que de l'argent? Mec, c'est pas possible. C'est un loot pour streamer qui vient d'apparaître là. Hichem. Là je reste en open, tu vois, je suis plutôt à l'aise là. Je sais qu'à ce joueur. Je lui tire des balles en mode lui il se dit mais attends mais c'est quoi là qui m'a tiré dessus. Ah j'ai. C'est fair play les gars, c'est fair play entre ultra, ça me plaît. Ah, j'ai vu un petit laser rouge derrière moi. Une grenade qui est tentée. Ça retente une grenade, une deuxième grenade. Ça met vraiment beaucoup de stuff et beaucoup d'énergie pour essayer de me tuer. Du coup, moi évidemment... Meurs, wesh.
y a encore l'utilité de jouer avec le boubou, je dirais que oui. Je suis toujours dans une position qui est plutôt bonne. Je me retrouve maintenant avec avec un masque en or. Et on a un autre on a une double grenade surprise qui repop derrière nous. On a un joueur qui vient au-dessus de nous maintenant. Il est reparti là-bas, il reste... Ok. J'ai un joueur à droite qui vraiment... veut vraiment me faire... Tout ce que je vais faire, c'est que je lui envoie une grenade. Et je m'approche de lui, je vais lui mettre la pression. Il m'a trop cassé les couilles pour pas que... Là j'active mon masque à gaz. Hop, je prends le kill aussi, je continue d'avancer. Là, le dernier, il va mettre toutes les forces qu'il a pour venir vite me buter. Je mets une smoke, je monte là-haut pour créer un dénivelé. J'attends, intelligemment. Il arrive à me craquer malgré le bouclier. C'est plutôt pas mal. J'ai pu re-shielder. Il me reste une grenade et une molly. Je vais me risquer à la grenade. Et puis finalement... C'est à moi de lui mettre la pression. Mauvais timing. Mais je gagne. Très bien joué, Dof. Très bien joué. Tu t'es super bien battu, mon ref. Peut-être un peu plus agressif quand t'as envoyé 4 paras. Eh, Dof, il a envoyé. Hein. Vous avez vu ce que c'est la maîtrise, chat? Allez, Alt F4. Vous pouvez mettre des marqueurs, les modos, elle était cool cette game. Vraiment cool. Merci à toi, Dof, c'était cool. Merci à tous ceux qui ont participé, chat. J'espère que vous avez passé un bon moment. C'est pour vous ce genre de live, ce genre d'après-midi, donc... Je suis content que vous y ayez kiffé.